Bonjour l'Amérique. Bonsoir l'Europe. Je m'appelle Camilo. Depuis Bogota, Colombie, nous vous souhaitons la bienvenue à Independencia Grita. Un espace dédié à la musique indépendante latino-américaine diffusé par Radio Paqui à Genève. Radio Paqui à Genève. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un voyage sonore riche en diversité et en richesse culturelle. Nous explorerons l'histoire d'une petite mais fascinante commune du Val del Cauca en Colombie, appelée Ginebra, Genève. Oui, regardez sur une carte, cherchez-la et soyez surpris. Beaucoup d'entre vous se demanderont sûrement pourquoi cet endroit porte le nom de l'une des villes les plus belles et célèbres de Suisse. Découvrons-le ensemble. Pour l'instant, commençons notre voyage musical. Cette fois-ci, notre espace de musique latino-américaine ouvre ses portes à l'hispano-amérique. Nous entendrons Cristina Diaz, chanteuse, actrice, compositrice, une artiste complète qui, depuis Barcelone en Espagne, à seulement 23 ans, pose les bases solides pour une carrière en constante ascension. Aujourd'hui, nous verrons l'une de ses vidéos les plus récentes, intitulée « No sé qué te vi », très fraîche et pleine d'énergie, où Cristina Diaz nous montre sa polyvalence musicale. Et avec un groupe puissant, elle nous dévoile son art. Radio Paqui, à Genève. Ni conmigo ni sin mí, que me acabaste volviendo loca. Tu boca cerca de mi boca, pero yo quiero más. Te hice una canción, pa ver si te entendía. Pero qué va, me perdí más. Y es que tú tendés a ir corriendo y yo tendré que quedarme aquí. Tendré que contemplar las vistas y tú siempre tan de huir. Y es que te miro, te miro, te miro y no sé qué te vi. Si tú siendo mi iceberg me derretía por ti. Yo di el 200% y tú ni el 20% por mí. Te escribo esto para entender que cariño no me va mejor sin ti. Miedo de quererte sin quererlo. No sé de quién me enamoré. La perfección sobre un papel. Madre mía, cómo que idealicé. Si mis amigos me avisaron que me la ibas a liar. Normal que les caigas mal. Fueron ellos los que me vieron llorar. Me pusieron primero a mí. Y secaron las lágrimas que derramé por ti. Te miro, te miro, te miro. Y no sé qué te vi. Siento siendo mi deber. Me derretía por ti. Radio Paqui, à Genève. Ginebra, mais dans le Val del Cauca en Colombie, est connue pour son vibrant festival appelé El Mono Núñez, qui, avec une tradition de 50 ans, célèbre la musique andine colombienne.
Mais ce que beaucoup ignorent à propos de Ginebra en Colombie, c'est que l'origine de son nom est entourée d'un mélange de mythes et de réalités. Commençons par ce qui se dit couramment. Une légende suggère que ce sont des immigrants suisses qui sont arrivés dans cette région à la fin du XVIIIe siècle et ont fondé la ville, la nommant en l'honneur de Genève, en Suisse. L'histoire semble intéressante, n'est-ce pas? Cependant, en fouillant dans les archives et l'histoire documentée, la réalité est un peu différente. En vérité, il n'existe pas de registre historique confirmant l'arrivée de colons suisses pour fonder cette commune. En fait, Ginebra Valle del Coca a été officiellement fondée en 1781 et son histoire est bien plus liée à l'expansion coloniale espagnole qu'à toute influence suisse. Le véritable protagoniste de cette histoire est le père Juan Francisco Aguilera, un prêtre espagnol arrivé dans la région au milieu du XVIIIe siècle. Aguilera ne s'est pas seulement consacré à sa mission spirituelle, mais il a également joué un rôle crucial dans le développement de la communauté. Il a encouragé l'agriculture et organisé les habitants, aidant ainsi l'établissement à croître et prospérer. C'est le moment de voyager en Argentine. Nous découvrirons Barbara Recanati, plus connue sous le nom de Barbie Recanati, fille d'une mère espagnole et d'un père argentin. C'est une musicienne et productrice de rock. À 38 ans, elle a déjà été nominée deux fois aux Latin Grammy Awards et a remporté le prix Gardel en 2020. En plus de la musique, elle s'est consacrée ces dernières années à l'activisme féministe, enregistrant des albums et promouvant des artistes avec son label Goza Records, en collaboration avec la radio Future Rock, écrivant des chroniques, des livres et animant son podcast Mostras del Rock. Voyons sa chanson Teoria Especial, sortie en 2018. Radio Paquet, à Genève. Viejo.
Radio Paqui, à Genève. El nombre Ginebra en el Valle del Cauca colombiano. Le nom Ginebra, Genève, dans le Val del Cauca, en Colombie, semble avoir été adopté plus tard. Peut-être en raison de sa résonance européenne ou d'une fascination pour les noms étrangers. Mais malheureusement, il n'y a aucune preuve que ce nom soit directement lié à la ville suisse ou à des immigrants de ce pays. La vraie histoire est un testimonio de l'esfuerzo de los colonos españoles y locales. Ginebra peut ne pas avoir de lien direct avec la Suisse, mais sa riche culture, ses traditions et son esprit accueillant sont 100% colombiens. Alors, chers amis du quartier des Paquis à Genève, je vous invite à vous rappeler de temps en temps que vous avez un homonyme de Genève, Colombie. Rappelez-vous de la véritable histoire derrière le nom et de la manière dont cette communauté a grandi grâce à ses propres habitants, rendant hommage à la belle Genève suisse. C'est le moment de découvrir Nicole Haddad, chanteuse et compositrice colombienne qui célèbre une décennie depuis ses débuts musicaux avec l'annonce de son troisième album Mis Plantas Muertas de 2024. Andrea est le quatrième single de son album sorti le 13 juin de cette année. Elle dit que c'est une vengeance musicale, un merengue énergique et espiègle, inspiré de ce moment où vous regardez dans les yeux la personne qui vous a fait le plus de mal. En plus de sa carrière solo, Nicole a été une collaboratrice notable pour d'autres artistes. Ses morceaux Memoria de Pez avec Chago et Stars avec le duo électronique Baote ont accumulé plus d'un million d'écoutes sur Spotify. Nous vous invitons à découvrir ce concept vidéoclip intitulé Andrea. Radio Paqui à Genève. Pero quién me creería que he cambiado toda mi vida. Con mis manos me quité mi dolor. Pero quién me creería que he cambiado toda mi vida. Con mis manos me quité mi dolor. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver en todos lados. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver en todos lados. Mira lo que sea que te salve cuando veas que te quedas con las manos atrás. Dirás tus mentiras toda la noche, todo el día. Te creíste que me iría y ya. Vas a querer que me calle cuando hable de ti. Vas a querer que no diga lo que sé. Tú me dejaste, no me quisiste. Tú me robaste lo que yo quería. Tú me quitaste lo que era mío. Ahora mira cómo me río. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver en todo el lado. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver en todo el lado. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver en todo el lado. Me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver. C'est tout pour aujourd'hui dans Independencia Grita. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser vos likes et vos commentaires. Nous serions ravis de les lire. Partagez également cet épisode avec vos amis. Merci de nous avoir accompagnés dans ce cri d'indépendance musicale. Oui, Radio Paqui.
Nous vous invitons à continuer de découvrir plus d'artistes et de sons latino-américains dans les futures émissions d'Independencia Grita, ici sur Radio Paqui. La radio des amis. La radio de los amigos. La radio qui nous lie. La radio que nos une. À la prochaine. Hasta la próxima. Diffusé par Radio Paqui à Genève. Bonjour l'Amérique, bonsoir l'Europe. Depuis Santa Marta, Colombia, nous vous souhaitons la bienvenue à Independencia Grita, un espace dédié à la musique indépendante latino-américaine diffusé par Radio Paqui à Genève. Radio Paqui. À Genève.